On est pas mal ici, hein. C'est un endroit calme. C'est du bricolage haut de gamme. Hein. D'accord, c'est du do-it-yourself. Parce que j'ai pas les sous, moi, de m'acheter les trucs articulés, les mallettes à je sais pas combien sur internet. Donc, tu vois, un bout de bois, un bout de panneau. Et ça, c'est le support, c'est même pas un truc acheté, c'est le support du booster. Ah oui, le support de la GoPro. C'est bon, ça. Ah, ça m'a coûté 20 cm de Chatterton quand même. On descend? C'est parti pour une petite séance. C'est bon, pareil. Cheese, prêt. Presque prêt, comme d'habitude. Presque prêt, comme d'habitude. Ouais, c'est ça. Are you ready? Tranquille alors. Allez, c'est parti pour un peu de profondeur. En creusant dans le sable. À 30 mètres de fond, il y a un beau paysage, mais comme ils ont l'air de pas vouloir aller le voir, alors du coup, j'ai fait quelques images. On relâche bien les jambes là. Mâchoire, langue. On relâche tout. Oh, les restes. Oh. Voilà, c'est mieux là. Voilà, c'est cool ça, voilà.
Petite détente en compagnie de mes amis les carpes avant de refaire une bonne descente profonde. Et ben voilà, une bonne petite apnée. 36 mètres, à 1 minute 47. Heureusement que tu étais là pour faire ma sécurité. Hein. Je me sens tout de suite rassuré. Allez, hop. Ouais. Alors ça s'est bien passé? Bah ouais. J'étais en train de dire, j'ai un truc sur mon écran, j'ai oublié d'enlever le machin, il est neuf. Oh, c'est moche. J'espère que... Ah ouais, j'ai oublié d'enlever le fil. C'est tout neuf, hein. Tu connais moi trouble. Bon, t'as fait combien alors? 14. Ah, c'est une bonne note ça. C'est bien? Donc, record dans le confort, combien? 25. 25 mètres. 25 mètres, comme quoi, quand on pratique en club, c'est pas mal. Bon, et bien après l'effort, le réconfort. Bon anniversaire, Sylvain. Merci. C'était une très belle sortie, très agréable. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Et puis, je vous dis à une prochaine fois.